Donc le but de nos tests aujourd'hui, c'est vraiment de voir jusqu'où nos véhicules pouvaient atteindre la panne sèche et du coup pour savoir combien de kilomètres on était capable de faire, jusqu'où ils pouvaient aller dans les itinéraires futurs, quoi. Pour la SPL, l'objectif est de calculer l'autonomie réelle du véhicule, puisque aujourd'hui on fait environ 230 km par jour et on pense que l'autonomie était de 500 km, donc on n'osait pas en fait faire le plein tous les deux jours. Voilà, un des avantages de notre service de dépannage, surtout qui concerne les véhicules grands, les bus, les camions poids lourds, les bennes en ordure, c'est qu'une fois qu'ils se trouvent en panne d'essence, un service de remorquage classique il peut être assez chronophage, surtout. Donc avec notre système, on arrive, en 20 minutes, le véhicule est prêt pour partir avec une autonomie suffisante pour attendre une station. J'ai fait 422 km avec mon plein, dont 70 avec le voyant de réserve allumé. Donc avec une consommation de 38 kg au 100, avec des charges plutôt conséquentes, très très surpris du résultat et franchement très satisfait. Moi, je suis partant pour continuer au BioGNV.